Le départ est imminent. Départ validé pour cette huitième épreuve, le prix de Mèche Cool. Première partie de cette épreuve, des doublés, des poulies chargées de 3 ans sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti avec notamment le numéro 7, Fini Valentine, qui a pris de suite la direction des opérations devant le numéro 3, Frondeuse, qui vient se placer en deuxième position. Alors qu'ensuite, nous avons le numéro 5, Face Coquelaise, qui est côté corde. Et l'As a été disqualifié. L'As est disqualifié. Les concurrentes qui vont se diriger à présent vers le tournant après les tribunes. On rentre dans les rangs en ce qui concerne le numéro 7. Nous retrouvons maintenant eh bien, le numéro 5, Face Coquelaise, qui est seul en tête. Alors qu'ensuite, nous avons le numéro 4, Flower Sky, avec Frondeuse. Le numéro 3, qui vient ensuite et qui est à l'extérieur. Ces trois concurrentes sont détachées du numéro 9, Fée Verte, qui vient ensuite maintenant eh bien, en quatrième position le long de la corde, alors que le numéro 9 vient d'être disqualifié. Les concurrentes qui sont donc dans la ligne opposée avec le 5 Face Coquelaise qui eh bien, est seul aux avant-postes et qui se détache nettement du reste du peloton. On poursuit son effort avec Fiesta Malouine, le numéro 2 qui est à l'extérieur et qui est venu se placer maintenant eh bien, en deuxième, troisième position. Les numéros 5 et 7 ont été disqualifiés. 5 et 7 concurrentes qui sont maintenant dans le tournant avec le, eh bien, toujours aux avant-postes maintenant, donc le numéro 3, Frondeuse, qui est en tête côté corde, avec à l'extérieur Fiesta Malouine, le numéro 2 qui est en deuxième position. Ensuite, nous avons Flower Sky, le numéro 4 qui vient ensuite, qui est côté corde pour sortir à présent du tournant, alors qu'on a une bonne progression à l'extérieur du 14 Fréquence R, qui eh bien, vient se placer maintenant en deuxième position. On va passer à nouveau devant les tribunes avec le long de la corde. Frondeuse, le numéro 3, rejoint à l'extérieur par Fréquence R. Le numéro 14 qui est venu se placer à ses côtés. Fiesta Malouine, le numéro 2, est en troisième position devant Flower Sky. Le numéro 4 qui est quatrième côté corde devant Finca Vigia. Le numéro 13 qui vient ensuite pour se diriger vers le tournant après les tribunes. Ensuite, nous avons Falbala du relais, le numéro 11. Les concurrentes qui vont se diriger maintenant eh bien, vers la ligne opposée. On va entamer donc cette ligne opposée. Alors qu'on va entamer maintenant eh bien, cette ligne opposée avec notamment côté corde le numéro 3 Frondeuse qui eh bien, est toujours bien placé côté corde alors que les concurrentes sont maintenant eh bien, mis à ligne opposée. On note une bonne progression tout à l'extérieur du numéro 12 Face Destinée qui est venu se placer maintenant eh bien, en quatrième position pour se diriger à présent vers le tournant. On retrouve également le long de la corde, le numéro 2 Fiesta Malouine qui est en troisième position et un peu plus loin, le numéro 13 Finca Vigia. Les concurrentes qui sont donc dans le tournant avec le 3 Frondeuse qui est aux avant-postes et qui est côté corde et qui est toujours bien placé pour sortir dans quelques secondes du tournant final avec toujours aux avant-postes. Eh bien, le numéro 3 Frondeuse qui conserve son avance sur le reste du peloton vient de sortir du tournant. Il leur reste maintenant 200 mètres à parcourir avec Frondeuse, le numéro 3 qui est toujours en tête avec également le 14 Fréquence CS qui vient ensuite qui est en deuxième position. On attaque le long de la corde avec Finca Vigia avec donc le numéro 3 Frondeuse qui va remporter cette épreuve devant le numéro 13 Finca Vigia. Ensuite le numéro 6 Frimeuse d'Azur qui terminera troisième. Le numéro 12 a été disqualifié dans la phase finale. Le numéro 12.